tonton, Lélé, Loulou, Marianne. La Porter, c'est une bière brune du style Porter. On va être sur des notes un peu fumées, cacao, café. Idéal à manger avec de la charcuterie, du fromage. Après, on a notre la blonde, c'est une pale ale classique. On va être sur des notes de miel, herbacées, florales. Une petite pointe d'amertume en fin de bouche, très désaltérante en été. Et pour l'apéro, elle fait très bien le job. Après, on a une single hop Aramis. Donc, c'est une pale ale faite avec un seul houblon, qui est l'Aramis. C'est un houblon alsacien. Et dans cette bière, en fait, on a voulu mettre tous les produits de la bière, mais 100% française. Donc, il y a un orge français et un houblon français. On va être sur une bière un peu amère, mais plutôt épicée. Et ce sera l'Aramis, c'est le houblon qui apporte le côté épicé. Donc, après, on a une ambrée, donc une Humber Ale, quelque chose d'assez toasté, avec des notes de caramel et une belle couleur cuivrée. Toujours dans le style, on a l'IPA, donc c'est fait avec deux houblons américains qui s'appellent le Simcoe et le Chinook. C'est une bière avec une grosse amertume, avec des vraies notes d'agrumes, et on démarre avec des notes de litchi au nez, donc c'est assez agréable. À boire sans modération, c'est la recette préférée des brasseurs. Et enfin, dans le pack, là, on a une Humber Ginger Ale, donc c'est une bière au gingembre, très légère. Il est très équilibré avec le gingembre, on n'a pas le côté astringent du gingembre, ou piquant du gingembre, on a le côté frais et épicé du gingembre. Et c'est plutôt facile à boire, et pour les gens qui découvrent la bière artisanale, celle-ci est recommandée, et elle plaît énormément à la gente féminine.